Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rusher un petit peu en ladder, mon record c'est 7120 trophées. Donc j'avais fait un top 7000 monde, donc c'est correct. Donc on va commencer à rusher le ladder parce qu'il reste 3 semaines avant la fin de la saison. Donc on va prendre mon deck, c'est le deck que je joue depuis le début du jeu. Je l'ai créé de toutes pièces. Donc avec comme win condition le ballon et le cavabélier. En dégâts de zone, le bourreau, la Valkyrie. Et en gros tank, on va prendre le PK. Donc c'est parti pour la première game. On va lui dire bonne chance. Donc c'est un deck cochon, d'accord. On va mettre le cavabélier. On va prendre cher sur la tour de gauche. Très bizarre son gel. On va en profiter pour s'installer avec le bourreau fond de terrain. On va essayer de faire un beau petit push. D'accord. On va en profiter qu'il ait plus le DDE pour mettre le ballon à droite. Avec le sort de rage. Et à gauche, on va essayer de défendre avec les gargouilles. Voilà. On prend la tour à droite. Parfait. Et on va défendre le sorcier avec les squelettes. D'accord. On va même défendre le cochon avec. Pour essayer de ne pas prendre trop cher. Il va mettre un coup. Et on est obligé de rajouter le Valkyrie pour le sorcier. Pour l'instant, on est plutôt bien dans la game. Il va juste falloir faire attention au sort de gel. Donc on va essayer de kite le mini P.K. avec le cavabélier. Parfait. On va mettre un coup. On va mettre le bourreau pour gérer tout ça. Parfait, on garde la tour en vie. On n'est pas trop mal dans la game pour l'instant. On va être en x2 élixir, ça va être un peu plus facile pour nous. On va partir PK fond de terrain à droite. Parfait. Les gargouilles. Il n'a pas l'air de vouloir prendre ma tour de gauche pour l'instant. D'accord, on va faire comme ça. Le cavabélier. Les squelettes pour temporiser un petit peu. On va rajouter le bourreau. On va pas défendre plus que ça. Il a un PK sur la tour du roi. Parfait, il a utilisé beaucoup d'élixir pour défendre mon PK. Et on va essayer d'en profiter pour partir au corner. Parfait. On va mettre la rage. Il met la boule de feu en défense. Il a utilisé beaucoup d'élixir encore. On va essayer de gérer le dragon de l'enfer assez haut. Le cavabélier pour le cochon. On va faire attention à la rage. Au gel, pardon. On va prendre deux coups. On va forcer un petit peu avec le ballon. Elle sort de rage. On met des bons dégâts sur la tour du roi et on prend la game. Il fallait juste faire attention au gel dans ce match-up. On prend 30 trophées. Parfait. On passe la barre des 6000 trophées. Le badge du bourreau est validé. On relance une game. Et on joue contre un Brésilien. On lui dit bonne chance. On va partir bourreau fond de terrain. Ces squelettes sont niveau 13, d'accord. C'est du molosse.
Ça, c'est pas très bon pour nous parce que je viens de mettre le bourreau. On va mettre la pression de l'autre côté. On va mettre des bons dégâts à droite. On prend la tour à droite même. C'est parfait. On va gérer le bûcheron avec la Valkyrie. Il force un petit peu à gauche. On va faire attention de ne pas se faire trois couronnes. Et on va poser le bourreau pour gérer tout ça. On va prendre quelques dégâts. Il a reclone, d'accord. Je pense que c'était pas très bien joué de sa part. On a mis des bons dégâts à gauche. Va temporiser un petit peu. On va faire attention à son clone aussi. On va mettre le PK fond de terrain à gauche. Et préparer un push. Voilà, il va sûrement partir Molos. Il force un petit peu. C'est bon pour nous. On va partir dans le corner. Je crois qu'il a pas grand-chose pour défendre là. Il a beaucoup forcé en attaque avec son Molos dans le corner. On prend la tour. Et là, il va falloir défendre. On va mettre les squelettes fond de terrain. Il repose le bourreau au corner, d'accord. On va essayer d'aligner le bûcheron avec le Molos, on n'a pas réussi. Parfait. Il force vraiment dans le corner. Je pense pas que ce soit la bonne solution pour lui. Parce que je peux défendre assez facilement. On va remettre une petite pression autour du roi. Et on va gagner la game là-dessus. Et on va le 3 couronnes. Parfait. Faut vraiment faire attention contre les decks Molos parce qu'on a vraiment juste le bourreau pour le défendre avec les gargouilles, mais souvent dans les decks Molos il y a des flèches, donc c'est assez compliqué. On aura pris 60 trophées sur ces deux games là, donc on va se laisser là-dessus. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.